Action contre la faim est en train de réceptionner 11 tonnes de matériel qui a été envoyé depuis Paris par notre canal d'urgence. Dans ce matériel, nous avons des stations de potabilisation pour traiter l'eau. Nous avons de quoi creuser des latrines pour l'assainissement parce qu'on sait que dans ce genre de situation, l'assainissement, c'est vraiment important si on veut éviter les épidémies et les risques sanitaires. On a du matériel de soutien et on a aussi des tentes et des jouets pour les enfants parce qu'on va aussi installer des tentes de soutien pour les mamans qui allaitent et pour les enfants qui ont été évidemment choqués par le tremblement de terre. Une équipe de Action contre la faim va partir incessamment sous peu en direction du district de Nouakchott qui se trouve au nord de Katmandou en direction des montagnes et de l'épicentre du séisme. Donc on va partir pour une évaluation des besoins et en même temps on va amener une station de potabilisation de notre partenaire Aquasure qui permet de fabriquer jusqu'à 30 mètres cubes d'eau potable à partir de l'eau d'une rivière ou d'un puits. Et on va aussi amener avec nous de quoi creuser des latrines parce qu'on sait que l'assainissement dans ce genre de situation c'est vraiment important. Donc là on va partir en direction de la ville de Bidour qui est donc le chef-lieu de ce district. On va installer vraisemblablement la station là-bas et puis à partir de là on va rayonner sur les villages de montagne qui souvent ne sont accessibles que à pied et dont on sait par les informations qu'on a qu'ils ont été très 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 touchés. Quasiment toutes les maisons sont détruites et les populations ont perdu leur maison et leurs moyens d'existence. Donc la situation pour eux est très grave.